Ito Barada is een Frans-Marokkaanse kunstenares die op dit moment in Emden tentoonstelt en die tentoonstelling past in het kader van 500 jaar Utopia, dat we hier in Leuven vieren dit najaar. Ja, zij heeft dus ook een Marokkaanse nationaliteit en haar uitgangspunt of haar uitvalsbasis, zij woont grotendeels in Tanger. En dat is een unieke plek. Vanuit Tanger kan je Europa zien, kan je een ander continent zien. En zij werkt heel erg met haar foto's, haar films vanuit die stad en in die stad als een soort metropool of een soort exemplarisch iets voor iets te vertellen over heel de wereld. Vous avez toutes sortes de résonances ou d'échos qu'on peut retrouver dans le travail, soit par rapport à des utopies politiques, soit des contre-utopies, ou en creux par rapport à des histoires d'échecs, d'imaginaire, ou de rêves de société idéale. Là, c'est proche de moi, ma figure imaginaire et tutélaire avec laquelle je travaille, c'est le maréchal Lyautey. La figure historique, public et aussi privé, parce que sa correspondance m'intéresse, du maréchal Lyautey, est une personne avec qui j'ai une sorte de conversation imaginaire depuis quelques années. Il est à la tête de plusieurs paradoxes. Alors, il m'intéresse parce qu'il est à la tête du Maroc moderne tel qu'il a voulu. C'est le premier chef colonial du Maroc français, donc en 1912, il y a 100 ans, tout simplement. Il n'a pas duré très très longtemps au pouvoir, mais il avait une ambition folle d'inventer un Maroc nouveau. Donc c'est une figure très ambiguë qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle est à la fois opaque, donc riche, et polysémique, je peux tirer dans plusieurs directions. C'est un maréchal de France, mais c'est quelqu'un qui aussi a voulu inventer des traditions au Maroc. Ce qu'on a voulu faire, c'est aussi reprendre une forme de cartographie pour cartographier les couches géologiques. Il y a des règles de motifs et de périodes du temps. Les verts, c'est le Jurassique. Les rouges, c'est le Trias. Vous avez en fonction, dans l'histoire des constructions, dans l'histoire de la lecture des paysages, un vocabulaire et une langue. Et moi, ça m'intéressait en même temps de transformer un outil de jeu qui, en même temps, que ça soit quelque chose de pédagogique. Pendant que je faisais une recherche sur l'histoire géologique du Maroc, les fossiles, les fossaires qu'on retrouve dans le film, les préparateurs, les familles qui travaillent dans les sites et les gisements, j'ai découvert ce système cartographique qui était repris aussi dans les peintures, c'est-à-dire des coupes en tranches de certaines montagnes ou de sites. Et pour révéler quelle est la consistance des fossiles, les fossiles permettent de dater. C'est-à-dire quand on trouve un certain fossile, on peut savoir la couche où elle se trouvait. Et j'ai fait des photographies des panneaux pédagogiques qui avaient été utilisés éventuellement, je ne suis pas vraiment sûre, pour une exposition, et qui ensuite étaient jetés à la poubelle. Vous avez aussi des peintures qui reprennent ces couches de manière représentative, avec des couleurs vives, mais qui ressemblent aussi à des peintures marocaines de l'avant-garde. Ça ressemble à des peintures de Melehi, Mohamed Melehi, par exemple. Il y a aussi des références à l'art moderne marocain de l'après-guerre. J'ai commencé une recherche sur l'histoire géologique du Maroc il y a quelques années, en travaillant avec plein de professions qui travaillent dans le domaine, que ce soit le développement de l'économie autour des fossiles, l'exploitation des gisements, les familles qui vivent, l'économie locale, les géologues, les paléontologues. Et puis, je me suis intéressée petit à petit, en rencontrant d'autres géologues, au développement d'une petite économie, mais qui est importante, de l'économie des faux. Et puis qui sont surtout des autodidactes. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que ces gens-là ont eu peu accès, à part comme ça, par frottement avec des scientifiques qui viennent travailler sur le terrain. Ces gens-là sont assez isolés et ont acquis un savoir-faire et une connaissance des fossiles qui est bluffante. Vous avez aussi là mon éducation personnelle, où avec un maître japonais, j'ai fait du bois gravé, et j'ai fait une sorte de début d'inventaire des dinosaures qu'on trouve au Maroc.
parce que c'était une chose que je ne connaissais pas, qu'on avait un des plus grands dinosaures carnivores, et qu'il y avait toute une culture, mais qui ne faisait pas partie de l'histoire nationale et populaire de l'exploitation des dinosaures et de leur développement et de leur disparition. Moi, ce que j'ai voulu célébrer ici, c'est le faux guide, en disant que moi, je suis un faux guide du Maroc, qui est une sorte de harcèlement, hustler, qu'on rencontre dans les rues du Maroc quand on veut faire des courses. Mais ce que je voulais, moi, à la manière de Hobsbawm, c'était plutôt de réfléchir à ces figures qui sont des figures autonomes, des figures que je reprends souvent dans mon travail. Il y a des magiciens, il y a des contrebandiers, et de réfléchir à leur manière de faire, à leur inventivité, à leur créativité, et les mettre en avant plutôt que l'inverse, plutôt que d'écrire leur travail.